What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, débrief du match entre le FC Barcelone et Valence, frérot. Franchement, les gars, franchement, ouais. Le Barça en ce moment, le Barça dans ce début de saison, voilà, dans cette Liga, on n'est pas du tout bien, les gars. Franchement, on n'est pas du tout bien. Mais quand même, on n'est pas quand même loin des premiers. Là, on a remporté nos matchs face à Valence. Et en plus de ça, on a un match en retard à jouer face au FC Séville, les gars. Mais bon, frérot, là, on partait à la trêve, on n'a fait que des mauvais résultats. On a perdu face à Benfica, on a perdu face à l'Atlético de Madrid. Et là, on devait rebondir. Et après la trêve, gros match face à Valence, les gars. Moi, dès le début du match, j'ai vu les gars en prendre un but. Je me suis dit, putain, je me suis dit, wesh, le Barça, ça va pas. Ça va pas, c'est pas possible de prendre un but au début de match comme ça. En plus, au Camp Nou, les héros. Mais bon, voilà, les frérots, on s'impose. Et les héros, ce match, ouais, même si c'était un match un peu bizarre, en fait, c'était pas un match. T'avais l'impression que dans ce match et tout, le Barça pouvait prendre tout au début, à tout moment. Et on a aussi un grand Ter Stegen, un énorme Ter Stegen. Compo du match, les frérots. Parce que, ouais, il faut que je vous parle de la compo. Moi, dans cette compo, j'ai vu Piqué aligné avec Eric Garcia. Je me suis dit, mais Koeman, il n'a pas compris que Eric Garcia, franchement, voilà, dans ce début de saison, il n'est pas bon. Pourquoi il insiste à le mettre et tout, Eric Garcia et tout ça. Ensuite, il y avait aussi Sergi Roberto sur le côté, Jordi Alba, De Jong au milieu de terrain, Busquets, Gabi. Et en attaque, on avait Dest, Depay et Ansu Fati, les gars. Et dans ce match, les héros, Dest, franchement, offensivement, il a grave apporté de ouf, les frérots. Dest, il était décisif. Et en plus, Dest, l'héros, il a été décisif. Beau but d'Ansu Fati. Offensivement, c'était le problème du Barça cette saison, en début de saison et tout. Et là, on a vu que Ansu Fati, il revient petit à petit. Il nous marque un but à la Léo Messi. Sauf que lui, il le met du pied droit à l'héros. Un énorme pénalty, les gars. Un pénalty de Memphis Depay. L'héros, je vous jure que Depay, c'est le joueur le plus en confiance, je sais pas, dans tous les championnats confondus. Le mec, il tente des trucs, le mec et tout, il est super inspiré. Son pénalty, il le frappe avec un sang-froid de malade. Plutôt beau résultat, les frérots, ce dimanche. Parce que là, on se retrouve à 5 points de la Real Sociedad qui est premier. Et on a un match en retard, comme je l'ai dit. Et aussi, les frérots, ouais, même si là, le Real n'a pas joué, je sais pas pourquoi le Real n'a pas joué, je sais pas, peut-être il y a un problème, je sais pas, mais ce week-end, les frérots, le Real n'a pas joué. Mais n'empêche qu'on a un match en retard et les héros. Là, ce week-end, on fait vraiment une bonne opération de ouf. Agüero qui effectue ses premières minutes, frérot, au Camp Nou. Et aussi, on a aussi une bonne rentrée de Coutinho. Coutinho qui a marqué un but. Son but, ça fait depuis qu'il était blessé, ça fait au moins un an, l'héros. Coutinho n'est pas marqué. Et quand même, Coutinho, quand même, qui a fait une bonne rentrée, qui a tenté des choses et tout ça. Et je tiens à saluer aussi l'héros Eric Garcia. Ouais, parce que Eric Garcia, là, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs qu'il fait depuis qu'il est au Barça. Il prend pas un carton rouge, fait pas des erreurs bizarres sur les corners et tout, comme il l'a fait face à l'Atlético Bilbao. Mais frère, frérot, commande quand même et tout. Je sais pas si là, après cette trêve, le Barça va continuer sur une bonne lancée. Parce que ouais, une victoire face à Valence, c'est pas, voilà quoi, les frérots, c'est pas n'importe quoi. Même si Valence et tout, cette année en championnat, ils sont pas, voilà, c'est pas non plus un grand Valence quoi. Ça fait au moins plus, ça fait, je crois, ça fait. Ils ont enchaîné deux matchs nuls et là ça fait une deuxième défaite consécutive en Liga. Donc non plus que Valence aussi, mais ah voilà, Valence et tout, c'est pas une équipe et tout cette année en Liga qui montre de bonnes choses, les frérots. Mais malgré tout ça, ils nous ont posé grave des problèmes. Du coup, les héros, plutôt une bonne opération, ce match face à Valence, avant d'accueillir les gars Dynamo Kiev en Champions League. Là, les gars, le Barça n'a plus le droit à l'erreur. Le Barça ne doit pas perdre ce mercredi, les gars. Face au Dynamo Kiev, on est obligé de s'imposer, on est obligé de gagner et si possible, même marquer beaucoup de buts, les gars. Parce que là, si on doit battre le Dynamo Kiev, et on doit aussi espérer que Bayern remporte ses deux prochains matchs de Champions League face à Benfica. Pourquoi, les gars? Pourquoi je dis ça? Parce que là, si on remporte nos deux prochains matchs face au Dynamo Kiev, on aura 6 points. Et si Benfica perd leurs deux prochains matchs face au Bayern, ils auront 4 points. Et les héros, après ça, Benfica aura 4 points. Et nous, on aura 6 points. Et on aura juste à s'imposer, les frérots, face au Benfica lors du match retour, les héros. Et pour moi, c'est le seul moyen que je vois possible pour le Barça de se qualifier en Champions League. Donc, les frérots, on reste fort, solide dans le cœur. On n'abandonne pas notre équipe. On n'abandonne pas le FC Barcelone. Voilà, c'est ça. Il y a des moments difficiles. C'est là où on voit les vrais supporters, les héros. Et quand même et tout, je tiens à dire,
Beau but de Ansu Fati, beau but de Depay, Dest a fait un excellent match. Merci à Dest Egen et tout qui nous a sauvés, qui nous ont perché de prendre des buts ce soir, les Raw. Sur ce, les Raw, on reste fort dans la tête, les Raw. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, les frérots. Oh, n'oubliez pas, les Raw, restez toujours positifs dans la tête, les gars. On est ensemble, allez, peace!